Salut à tous! Salut les amis! Alors aujourd'hui, voilà, on est avec T-Duck! Salut T-Duck! Bonjour! C'est T-Duck! C'est T-Duck le petit canard! Mon petit canard! T'as dit canard, hein? On est oui. D'accord? D'accord! Non, j'ai pas dit canard! Et là, on se retrouve dans la salle des coffres! Pourquoi? Ouais, ça va être terrible! Pourquoi? Parce que, on a perdu le défi d'Alex! Eh oui, les amis! On a perdu le défi d'Alex, donc Morgane, vu que t'es la plus te fait, je t'invite à commencer après moi en fait, vu que t'es la plus te fait. Alors, vas-y, T-Duck, je te passe tout ce que j'ai sur moi de plus important. Alors, pour info, j'avais une épée en diams, c'est Morgane qui me l'a faite. Oui, j'ai utilisé mes XP avant de mourir quand même. Voilà. Moi, je reste là pour regarder. Vas-y, tu mets quoi où? Ah mais tu le verras pas. Mais quel petit enfant, oui de toute façon. Ah tu le verras pas. Tu peux ne pas le voir. Ouais. Mais je sors quand même histoire de sûr qu'il n'y ait pas de triche. Donc voilà. Eh on a toujours un golem de fer ici. Ah il est toujours là. Ah il y en a là. Oh yes, je croyais qu'ils étaient partis loin. Voilà, donc le stuff de Ludo sera à gauche et le tien Morgane à droite. Comme ça, ah non voyez, mais c'est chacun son tour comme ça. Ah non ouais c'est chacun son tour, tu mets vraiment un objet. Okay. Oh bah c'est bon Ludo, tu peux viendre. Ok, il y a un objet dans chaque... Il y a un objet dans chaque coffre. Ok, alors moi je vais choisir... Désignons du bout du poulet le coffre que je vais utiliser. Du bout du poulet. Je sais pas, j'ai envie de prendre celui-là. Putain. Non, chier. Non. Ah. Je suis dégoûté. Je vais devoir mourir avec ça. Fallait que ce soit l'épée, quoi. Je vais devoir mourir avec ça, je suis dégoûté. Bah récupère le reste quand même, tu sais que c'est l'épée. Ouais. Bah je vais aller les poser pour pas mourir avec, hein, bien sûr. Et on vous dit pas encore comment on va mourir, un petit duck nous l'a dit tout à l'heure. Donc on a préparé juste un petit truc de quoi que ça puisse faire ensemble, quoi. Bon, bah je crois que c'est à mon tour, là. Et donc voilà. Oh, t'inquiète, ça va aller. Mais 5 trucs, alors déjà. 1, toi c'est 6. 2, 3... Oh, je suis 4, dégoûté. Je perds l'épée en protection, fer. Protection, et 5. Je perds l'épée en diams que Morgane vient de me faire. Bon, c'est un recul. Bon, attends, je sors. Énorme. Ah, les boules. Oh là là. J'espère que je vais pas perdre mon arc. C'est surtout l'arc que je veux pas perdre, en fait. Hop. Dis-moi. Attends, je change encore. Je regarde qu'est... Regarde pas par les fenêtres. Quoi, je suis la machine à poulet. Le gars il regarde. Ouais, juste pour savoir à l'avance. Ah ouais, bah tu sais quoi, t'as regardé, hop, pour être sûr qu'il n'y a pas de triche, je change tout. Ah le malin. Ok, ouais, vas-y. Ah ouais, en plus j'ai pas fait gaffe, mais Morgane elle est derrière moi, elle voit mon écran, elle peut voir mon écran. Ah, j'ai même pas pensé à regarder. Ouais. Non, mais change, tu fais bien. Wow. J'avais pas pensé à ça. Voilà. Je vais être comme ça là. Voilà. Ça, les amis, là ce que vous voyez à l'extérieur, c'est bon. C'est l'endroit où on va mourir. C'est, à la base, c'était une croix c'est qu'on okay. avait fait, mais on a transformé ça en petit bonhomme au final. Donc voilà. Tu peux viendre. Bon, alors il me faut un peu de courage. J'arrive. Bon, allez. Tac. Ah, t'es ridicule comme ça. Pourquoi pourquoi t'as encore j'ai ça? J'ai pas perdu parce que j'ai donné mes 5 trucs les plus puissants. Ah t'as encore ça aussi toi? Bah ça c'était les trucs les moins puissants. Et j'ai 2 épées, un arc et j'ai donné mon plastron et mon pantalon. Et je perds mon pantalon. Attends, 2 épées, un arc. Ça fait 3. Les 2 épées. Ah mais c'est une maline elle a trop de trucs en fait. Hey, toi t'as 2 épées comme ça et tu me donnes une épée recul 1 toute pourrie. Mais quelle saleté. Bon allez vas-y va crever avec ton truc, c'est quoi que t'as pris? C'est le pantalon. Oh c'est dégueulasse. Hey, je m'en fous, tu me donneras là, une épée. On peut pas dire que j'ai triché hein. Bah non, j'ai changé, non. J'ai changé 2 fois les trucs. Clairement. Mais en tout cas. Et ça je le perds. Tu vas me filer une des 2 épées toi après plus tard. Oui, pas de soucis. Ouais. Mais en fait, je l'ai faite au cas où. Je me suis dit, si jamais je perds une épée, j'aurai toujours l'autre. Bon, alors attends, vas-y, pose ce que t'as sur toi, tout ce que t'as sur toi, sauf ton pantalon. Moi, c'est le petit coffre aussi. Non, mais de toute façon, moi, j'ai rien posé dedans. Ok, bah, j'ai mon pantalon. Mais. Il est là. T'as aussi. Ah oui, merde. Attends. Eh oui. Oh, j'aurais dû rien dire en fait.
J'aurais dû rien dire, elle aurait été morte avec. Ça aurait été super drôle. Tu parles, ils sont à deux doigts de péter tous mes trucs là. Donc voilà, on va passer à... À la mort. La mort. Et oui, on suit le bourreau. Et c'est une mort totalement cruelle. Parce que elle va me rappeler quelques souvenirs. Quelques mauvais souvenirs. Je suis dégoûté. Oh putain. Oh là là, il va péter tout le travail. Attention qu'il pète pas. Oh là, moi je tombe. Hop là, il est mort. Attends. Oh merde, je vais le faire tomber avec. On va survivre. En fait, on envoie T-Duck dans le trou. Alors attends, parce que ouais, il y a du zombard de partout. Voudriez-vous qu'on aille dormir avant? Avant de notre mort. C'est une fort bonne idée. Ouais, ouais. On va faire de deux. C'est notre dernière nuit. Non, en plus, la bientôt est série finie. La bientôt est série finie, eh oui. Tout à fait. La série est bientôt finie. On va pas tarder à aller se faire le Weezer, puisqu'on a envie de finir en se faisant le Weezer quand même. Je ne peux pas dormir, il y a des monstres. Ah ouais? Ah merde. Bah va tuer les monstres et tu vas dormir. Attendez, faut-il encore que je les trouve? Tourner la télé aussi, parce que ça fait un petit contre-jour derrière. Petit c'est monstre. Moi qui me flash dans la tête. Monstre. Je vois pas de monstre. Moi je vois un creeper là dans mon écran, mais il est pas près de chez toi. Petit monstre. Bon bah j'ai tué un zombie, j'espère que c'était lui. Oh certainement. J'espère qu'il y avait pas une araignée sur le plafond. C'est bon, je suis en train de faire dada. Ok. Dodo. Nickel. Bon bah la mort pour nous hein. La mort par décapitation. Ah oh, putain, encore un creeper. J'avais marqué une connerie mais je vais m'abstenir. Ah, j'ai même pas d'épée. T'avais marqué quoi? Non, j'allais marquer une connerie. Mais c'est pas vrai. Oh, il pleut plus en plus, c'est cool. Bon bah je vais finir dans mon lit de mort. Une journée pour mourir. Adieu, monde cruel. Vous allez voir comment on va mourir. C'est dégueulasse. Oups là. Alors les amis, nous sommes réunis ici ce soir. Enfin, c'est trop bien de ma vue en fait, vous êtes tous les deux là. Non, fais pas ça. Pourquoi? Alors Ludo, est-ce que tu aimes Morgane? Bah ouais. Laisse-nous vivre. Non, mais on se retrouve tous les deux maintenant. Oh là là. C'est dégueulasse. Bloqué avec toi quoi. Moi aussi. Ah. Putain. Au secours. Voilà. Une mort totalement dégueulasse. Ça me rappelle vaguement des souvenirs quand même. T'es suffoqué avant moi. Ok, donc Resuscitated, ça y est. Et nous revoilà. Oh les mecs, comment ils s'en sortent trop bien dans la vie, tu sais. T'as vu? C'est pas mal. Donc ça, on va le laisser fermer pour le temps que le stuff disparaisse. Voir, je vais prendre un saut de lave pour vous prouver qu'on va tout niquer. Bon bah moi je me restuff hein. Ça, j'ai pas perdu grand chose. T'es mort lol. Un saut de lave, est-ce qu'on a de la lave dans le coin? C'est pas sûr du tout, ça part de la lave. Ah si, je sais comment avoir un saut de lave. Comment? Tu mets pas ma machine s'il te plaît. Ah mince. Où je repose le gravier? C'est mort. Le gravier, tu peux le reposer un peu n'importe où. De toute façon, tous les coffres sont un peu un bordel, j'ai envie de dire. Ah oui, là, il n'y a plus rien de trié. C'est parfait. Tac, qu'est-ce qu'il me fallait ça? Tac, j'ai cherché un petit verre. Est-ce qu'on a des carreaux, des vitres? Non, je ne crois pas. Juste celle que je viens de prendre. Ok, et donc à la fin de l'épisode aussi, il y a T-Duck qui nous donnera son défi. Oui, il faudra pas qu'on oublie. Oui. Un petit défi cool. Moi, il est cool, mon défi. Un petit défi. Ça va, cool. On n'est pas obligé de parcourir la moitié du monde de Minecraft pour... Non. Juste le quart. Juste le quart. Bon, ça va, c'est que le quart. Ouais. Du coup, je vais pouvoir faire mes belles tables, là. Ouais, voilà, je récupère le saut de lave pour brûler... les objets avec lesquels nous sommes morts. Faut pas que je récupère l'XP. Faut pas que tu récupères l'XP. Attends, faut que je creuse un bloc de plus. Non, mais non. Faut que tu me fais tomber dedans. Faut pas que je récupère les trucs. Il a tout récupéré. Ah non, je vais devoir mourir une deuxième fois. Non, mais y'a rien. Ah. Ah, peut-être qu'ils disparaissent quand c'est...
Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? T'es en train de te tidec. Ouais, il a essayé, mais ça marche pas bien. C'est la vengeance, il est pas content, lui. Non, mais c'est parce que... Ah, mais ils sont là, les trucs. Il avait le droit de se défendre. Ah, ok, yes. Bah, attends. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Merde. Tu la récupes. Tu mérites de mourir. Tu vas mourir. Tu as tué mon frère. Tu vas mourir. Bon. Non, au pire, t'aurais pris le stuff avec toi, je t'aurais... incinéré. Ouais, mais non. Pas deux fois. J'aime pas mourir. Tu n'aimes pas mourir? Tu n'aimes pas mourir. Ah, oh, j'ai pas fait de hache. De hache tête. Il jette du beefsteak. Eh, hey, t'as pas récupéré une pierre taillée? Une pierre taillée? Ouais. Nope. Nope. Ok. Je n'avais point ça. C'est pas agréable. Donc ouais, sinon, bah, pour la suite de l'épisode, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. Je vais pas penser à ça, en fait, à vrai dire. Bah moi, j'ai continué. Enfin, je suis en train de continuer le resto. Alors, pour le fameux épisode tant attendu avec Tidoc, on va faire du rami. Non, attends, déjà, je vais récupérer mon stuff que j'avais tout à l'heure. Là. Voilà. Hey, on joue au domino, ouais. Ah ouais, j'ai plus d'épée, toi. Donne-moi une épée, s'il te plaît, bébé. Oh. Mais quelle radine, cette fille. Mais un truc de ouf. Allez, viens dans le resto, là, je te donne ton épée. Ouais. Elle a pas dit s'il te plaît. Bah, c'est lui qui veut l'épée. Ouais, mais t'as pas dit s'il te plaît. Non, mais je suis habitué, tu sais. Et Ludo, il m'a pas dit s'il te plaît. Oh là là, comment... Et il avait raison, Alex. Parce qu'Alex a laissé un petit commentaire assez pertinent. Et elle dit quand même, c'est dommage, parce que vous avez fait pas mal de boulot pour le resto. Pour mourir. Une table, quoi. Il manque cette foutue table. En plus, elle est à moitié marron, hein. C'est juste qu'il y a de l'herbe dessus, quoi. Ouais. Si je veux, je peux la rendre marron tout de suite. Sauf que non, ça ne marche pas. Il fallait bien toutes les laines. Donc on a vraiment perdu ce défi. Ouais, c'est cool parce que on y était presque. Bah ouais, il manquait juste aussi la cuisine quand même dans ce coin là. Mais ouais, mais la cuisine ça peut toujours. Tu sais, c'était les tables en priorité quoi. J'ai pensé à un truc pour la table marron. Oui. Tiens. Pourquoi vous avez pas mis genre de l'eau en dessous et vous avez pas mis un coup de bêche sur la terre? Elle serait restée marron. Oui, non, mais c'était toutes les laines. Il fallait toutes les laines, c'était pas avec de la terre. Ah, moi je pensais toutes les couleurs. Non. Sinon on aurait fait comme ça. Ça aurait été bon quoi, ça serait passé. Même en bois, il y a du bois marron donc. Comment je suis passé comme ça? Ouais, j'avoue. Le mec putain ninja, c'est. Tiens, prends-toi du poulet dans la tronche. J'en veux pas de ton poulet, je suis blindé de poulet. Bah garde-le quand même. Je sais pas trop quoi faire sinon. T'as une idée, Tidac? Une hache en métal pour moi? Une hache en métal? Non. Une hache en métal? Désolé. T'as une épée, Tidac, sur toi? Oui. On fait un duel. Ah, mais attends, j'ai une épée en diams. Ah! Ça va pas être du jeu. C'est hein. Pour ça, faut que je change d'épée. Je vais changer d'épée. Changer d'épée. Fight! Ah, vu que j'ai perdu tous mes XP, je m'en fous. GG! Tu as coupé du bois? Génial! Oh, c'est génial! Babouliné est content! Eh, on se l'est remis en plus il y a pas longtemps, Babouliné. C'est vrai. Babouliné, c'est la base. C'est la babouli base. T'aurais pas une cigarette, mec! Est-ce que tu veux que je te ramène des carreaux? Des carreaux, j'ai ce qu'il faut, moi, ce serait plus... Eh bah, démerde-toi. Oh, ok. Je rigole, tu veux quoi, une hache? Je veux bien une hache, ouais. Une hache, comme le farmer chinois. Oh merde, j'ai pas assez de... Est-ce qu'il reste par là des escaliers en pierre taillée? Ah, je sais pas, j'ai pas été voir, je suis déjà parti. Non, mais je vais en refaire. Merde, j'ai ce qu'il faut. Donc notre première paire tombale officielle a été faite avec Tidac. Ah merde, c'est par là la hache. Et après nous on va se fighter. Non, ah, moi je n'ai pas la violence. De quoi?
Alors t'as dit de quoi à qui là? Parce qu'on a parlé en même temps. J'ai dit de quoi à toi? Je ne veux pas me fighter, je n'aime pas la violence. Ah d'accord. Bah je crois que t'as pas le choix. Ah ouais. Bon d'accord. Bon bah je vais te mettre sur ta gueule, tu vas voir. Where are you? Attends, je suis dans ma maison. Ah ok, je vais pouvoir te prendre en embuscade. Dans ta maison. Ah j'ai pas de pioche, putain. Pioche! C'est long de éclater de la pierre avec un poulet. Yeah! Vous êtes vraiment en train de vous fight là? Non, pas du tout. Mais tu vas le tuer, toi t'as une épée. Ah non, t'as pris. Mais alors, chanté à quoi ton épée aussi? J'ai juste recul 1. Ok. Et en plus, il a récupéré la moitié de mon stuff. Non, que dalle. J'ai rien récupéré de ton stuff, j'en veux pas de ton stuff. Alors vous êtes en train de vous amuser pendant que moi je suis en train de me taper toute la construction du resto. Et je l'ai fait toute seule le resto. Ben on va pouvoir t'applaudir. Non je sais pas. Je te laisse faire ton resto. C'est pas mon resto, c'était notre défi. Ou alors dans ce cas là y'a que moi qui perds des trucs, tu sais. J'irai chercher les graines de cacao moi, putain. Tu parles, tu vas les giver. On va se taper. Je sais pas, ouais, je vais peut-être la giver par contre. Dégage, sors de chez moi, maintenant. Putain, on a plus de cobble. Connard. Ah si. Pourquoi je voulais de la cobble? Ah si. Oh putain, la meuf qui est trop grave. On va faire 2, 3. Ah le mec. 4 fours. 4 fours ou 6 fours? Ouais. Faire 6 fours, c'est une grosse cuisine. Je récupère rien. Je me suis fait défoncer. 1, 2, 3, 4. Tu sais, j'apprends à compter. La masturbation en pleine conversation n'est pas terrible. Non, ceci était un applaudissement effet. Ah, attends, j'ai plus de vie déjà. Oh, vieux salaud. Attends, je suis à la spawn kill. Ah ouais, non mais... Bah attends. On a plus de barrière. Je tire un tous tes trucs. Aïe. Quoi? Tu me tapes là? Non. Je suis en bas. Je viens de mourir. Hein? Ah non, mais là je suis en bas. Mais il m'a dit T-Dog Westlane par Ludo. Ah mais c'était tout à l'heure ça. Alors je suis mort 2 fois. Et... je t'ai respawn kill une fois. Ah ok. C'est un enfoiré jusqu'au bout en fait toi. Ouais. Chalissime. Dégage. Ah et puis ouais d'ici du coup bah ça dépend combien d'épisodes tu nous donnes pour réaliser le défi que tu vas nous filer à la fin de l'épisode. Oui. D'ailleurs je sais même pas combien de temps on est là. Mais après, on est à 18 minutes. Après, en tout cas, après qu'on ait réalisé ou non ton défi, on pourra. Quoi? Je vais chier un petit deck. Mais on pourra aller s'attaquer au Wither. Et je pense du coup il y aura toi et Alex. Ça devrait pas trop ramer comme ça. Et non, je viens pas, t'arrêtes pas de me tuer, connard. T'es un connard. Bah, là, tu vas. Pour le coup, ce sera Wither qui va faire que de nous tuer. Mais ouais, non, il nous est arrivé tellement de couilles dans cette aventure. À mourir dans des blocs de béton avec un cheval ou. Enfin, plein de trucs, quoi. Mais c'est vrai que ça a de la gueule, hein, ton resto. Merci de me fermer la porte à la tronche. Ouais, je sais. Ça a de la gueule, ton resto. Est-ce que tu t'aides quand même pour la cuisine vite fait? Oh, tu te débrouilles bien. Je veux bien de la cobble. Il n'y a plus de cobble, pénurie de cobble. Cobble simple ou de la pierre taillée? Et je veux du métal. Non, de la cobble simple et du métal, plein de métal. Moi j'aime bien le métal. Faut que je fasse des chaudrons, faut que je fasse un distributeur. Et j'ai rien. Tu notes quoi sur le panneau là? Je mets plein de panneaux partout. On va avoir plein de petites surprises, tu sais. Ouais, bah, carrément.
C'est cool, c'est cool. Donc de la pierre taillée. Non, cobble. C'était quoi? Resto verso. Pierre taillée, cobble. Cobble. Ok, je te ramène un peu de pierre taillée au cas où, des escaliers. J'en ai de la pierre taillée. Ouais, mais on sait jamais. Comme ça, resto verso tout court. Mais y a pas de cobble. Hein. Je crois pas. Ah si, vite fait. Ouais, resto verso, ouais. Ouais, mais je veux dire, comment ça s'écrit? Comme ça se prononce, je suppose. Bah ouais. Sauf qu'on dit recto verso, hein. Oui. Resto. Je te ramène du bois aussi, des vitres. C'est bien des O à la fin, c'est pas des EAU. Bah oui. Bon oui. Bah voilà. Et il y a 3 diams. Oui, il y a 3 diams. J'ai dit 7 diams tout à l'heure avant que je fasse l'épée. Bah tiens, alors attends, je te ramène ce que t'as la besoin. Attends, parce que j'ai besoin d'autres trucs en fait. Bah attends, tiens. Je vais tout te filer parce que je vais pas récupérer tout ça. En fait, moi, dans l'épisode, clairement, je ne servis à rien à part poser des panneaux partout. Ouais, non, mais moi non plus, là, tu vois, je sais pas trop quoi faire. J'ai plein de fer, c'est trop bien. Ah merde, bah, on a une maison qui s'appelle Q. Ah, attends, il y avait déjà un panneau. Non, mais il y a des panneaux partout, c'est trop fort. C'est trop, trop fort. Pouf, ah non. Bâton de blaze, bâton de blaze. Le set il deck est magnifique, il court par-ci, il court par-là, tu ne m'auras pas. Mais je sais pas pourquoi j'associe T-Duck avec le générique de Sonic. Et pourquoi pas? Ceci est un panneau caché, lol, MDR, fan, sexe. Si! Hey! Sex and son. What the fuck? Je fais la course avec un zombie sur une poule. Un zombie sur un poulet. Ah, ça vaut des points, ça. Ah, comment il fait trop marrer. Ne le tue pas, ne le tue pas. C'est notre animal de compagnie, attends. Je veux qu'on l'enferme. Ouais, enfin, il va quand même te buter, quoi. Mais non, on va, attends. Non, oh merde, merde. Qu'est-ce que t'as il fait? Il est rentré. Il est rentré où? Pas dans la maison? Oh non, je voulais trop l'enfermer. Eh mais c'est trop marrant, un mini zombie sur une poule. Ah, j'ai pas fait de levier. Comment tu fais des leviers? C'est avec de la... pierre et stick. Ah, mais c'est de la pierre taillée. Je crois que c'est de la roche. Oui, enfin c'est... ouais, c'est pas de la... Il me semble. Ah, bien sûr, j'ai pas de stick. moi je m'amuse à lire les panneaux que T-Duck laisse. Eh mais au fait, le truc à mouton que j'avais fait, il sert à que dalle vu qu'il y a que un mouton. Bah toi d'en ramener un autre si tu veux. Steve. Ouais, je vais aller ramener un autre mouton. Comme ça on aura un autre mouton même si ça sert à que dalle. Hein. Si, c'est toujours utile un mouton. En cas de ramadan et tout ça, c'est pratique. Au cas où tu dors pas. Comme ça, le soir on peut se nourrir. Le soir. Ah mais j'ai déjà deux sous. Oui. Mère, suppos de satin. Ouais, resto verso, je crois que ça s'écrit comme ça. Je suis pas sûr, mais je pense. De toute façon, même si ça s'écrit pas comme ça, on s'en fout. C'est moi qui décide du nombre resto. Alors ça, déjà, c'est faux. Désolé d'avoir baillé sans avoir mis le nom dans ma bouche. C'est un peu dégueulasse. Ça, c'était un PNJ qui baillait. Le mec, il se fait chier dans sa propre mission et il fait genre c'est les PNJ. Eh, hey, mais... qu'est-ce qu'il fout là, ce golem? Il est loin quand même, moi je trouve. Bonjour golem. Shoot les zombies. Ouais. Il est inactif dans l'eau, le golem de fer ou quoi? Tac. Ensuite. On dirait qu'ils sont inactifs dans l'eau, les golems de fer. C'est possible. Ah, c'est possible. Vas-y, on a dit la même chose en même temps, on va devenir frère. Et sœur, du coup. M'aimes-tu, petit? Allez. Non, bah, il s'en branle, hein. Il n'a rien à foutre de ma présence. Là, faudrait un frigo. J'aimerais bien trouver un mouton. Et il faut que je me nourrisse. Je voudrais un bonhomme de... oui, un bonhomme de neige, on peut faire des bonhommes de neige aussi. Et oui. C'est vrai.
pour avoir des blocs de neige. Enfin, plein de neige, quoi. Et tu, du coup, tu pourras faire des blocs de neige. Mais bien sûr, j'ai pas ce qu'il me faut pour faire un distrib. Mouton, t'es où, mouton? Mouton, t'es où, mouton? Imagine, là, le premier mouton que je trouve, c'est un mouton marron. Ah non, mais là, j'ai les boules, mais les boules de chez les boules, quoi. Ce serait du foutage de gueule. Moi, ça me ferait rire. C'est quoi, ce truc? Ah, il manque un bois. Oui, tout à fait. T'avais été creusé là-dedans, ça doit être des trucs de mine outils ou je sais pas quoi. Pas tout ici. Pas tout ici, mais un peu ici. Mais un peu ici, un peu vers le désert, un peu... En fait, Morgane a miné un peu partout. Vas-y, il s'est passé quoi là? De quoi? Tidak, t'es où? Bah là j'arrive vers le resto. Mais qu'est-ce que je fais moi? Pourquoi je vais tuer le mouton? Non, il y a vraiment quelqu'un qui m'a tiré dessus là. J'ai du mal à y croire. T'es un squelette? T'es où? Bah ouais, mais je vois pas de squelette, je vois rien. Bah t'es où Morgane? Bah je suis sur la machine à poulet. Je lis ton petit mot. Est-ce qu'un mouton noir et un mouton blanc, ça va faire un mouton gris pour les bébés? Je crois oui, il y a des histoires de couleurs comme ça, ça marche. En tout cas, une chose est sûre, c'est que mon mouton est buggé. Totalement buggé. Ah ouais? Qu'est-ce qu'il fait? Il pénètre la terre avec... avec non, ardeur. Je rigole parce que t'as dit terre. Redstone. De quoi j'ai plus besoin? Ah si, ça j'ai besoin. Mais il est sérieux ce mouton là, traverse l'eau. Nous sommes à 26 minutes, les amis. Ok. Là, là. Bah moi, je ramène mon petit mouton tranquillement à la maison. Eh bah, ramène. Moi, je suis en train de... Mais putain, mais vas-y, là. C'est quoi, ce délire? Cette fois, c'est moi. Mais t'es où, petit Doug? Franchement, t'es où? Ah, t'es là. Mais comment t'étais dehors, là? Non, en fait, là, je suis rentré, je t'ai tiré la seule flèche que j'avais et je suis parti. D'accord. Mais tout à l'heure, promis, c'était pas moi. C'était pas toi tout à l'heure? Non, tout à l'heure, c'était pas moi. Ah, c'était pas moi non plus, je suis loin. Pourquoi il est rasé, ce mouton-là? Il y a des trucs étranges sur cette map, les amis. Mais parce que cette pierre, il a poussé d'une autre couleur. Alors, est-ce que j'ai le droit de... Parce que là, c'est des moutons que j'avais utilisés pour faire toutes mes laines. Ok. Là, il était pas noir à l'origine, lui. Ok. Est-ce que j'ai le droit de vous poser un défi normal et un micro-défi? Ouais, vas-y. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, c'est bientôt la fin de la série, on s'en fout, c'est what the fuck. Ok. Vas-y, on t'écoute. Nous t'écoutons. Alors, nous sommes le micro-défi, c'est j'ai posté 9 panneaux dans votre maison, enfin, dans vos propriétés. Ok. Il faudra les trouver. 9 panneaux, alors attends, il faut que je le note. Quoique, je suis con, c'est en vidéo. Le mec il croit tant qu'il joue juste comme ça pour s'amuser en fait avec les potes et tout, et non, c'est filmé, t'as pas besoin de tout noter, mec. Et oui. Ok, 9 panneaux à retrouver dans la maison, tu les as dessinés? Pas que dans la maison en fait, c'est tout dans les alentours, tu vois, mais il y en a dans la maison, il y en a, enfin voilà. Ok, bah nickel, bah, je sais déjà où il y en a quelques-uns. Donc... Moi aussi j'en ai trouvé un sur la machine à poulet. Ouais, il y en a, je les ai mis en évidence quand même. Okay. Ah, c'est t'en as caché. Ça, c'est une super idée, c'est un peu pack après l'heure, oui, pour le coup. Oui, tout à fait, j'aime bien. Il manque le petit lapin, c'est le petit canard. Voilà. C'est le canard de Pâques. Voilà. Le canard de Pâques. Et sinon, le vrai défi, ça sera de construire un monument en l'honneur de tous vos invités qui sont passés dans l'émission. Ah oh ouais, ok, carrément, super, ouais, super idée en plus, parce que tu es le dernier invité de la série. Je vais pouvoir faire mes pixel art. Donc ah ouais, une statue à l'effigie de tout le monde. T'es sérieuse? Alors bah tu sais quoi, c'est une très bonne idée ça en fait. On va prendre le skin de tout le monde. Si je sais pas, enfin je modifie peut-être un peu ton défi, tu me dis si ça convient ou pas. Mais le monument, ça peut être la tête de chaque invité. Du skin. Ouais. Non mais t'imagines le temps? Oui, bah on va le faire, on s'en fout, on s'accorde plusieurs épisodes pour ça. Okay. Vous avez deux épisodes. Bah, vous avez un épisode pour faire le défi des panneaux. Ouais. Ouais. Et je vous laisse 5 épisodes pour faire le ça truc. Ça fait un épisode par tête presque. 5 épisodes. Ah ouais, mais attends, ouais, faut les laines par contre. C'est ça le truc. Et bah écoute, ça les laines. S'il y a du marron, on ça peut va les être chaud. Prendre en off.
Ouais, je trouverais juste... Si vraiment vous trouvez pas, je vous permets de vous les giver. Ok, ouais. Ok, bah dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on a 5 épisodes pour pouvoir faire juste les monuments, quoi. Enfin, les... Ouais, les... C'est ça. Attends, il y a combien de personnes qui sont venues? 4, 5, 6, 7... Je sais plus combien d'invités en tout qui sont venus. Bah, il va y avoir en gros... Alors, attends. Je calcule vite fait. Tu fais pas trop de mal. Attends, Raziel, Sneaky, Thomas... Alors, il y a une tête, par contre, qu'on fera un peu au pifomètre. Pourquoi ? Il y a une des têtes qu'on fera un peu au pifomètre. Au pifomètre. Parce que... on pourra plus être en contact. Il y a une des personnes on peut plus être en contact avec. Donc, ce sera au pif. On prendra un skin au hasard pour cette personne. Vous faites le skin du... De, bah, du, tu sais, du personnage de base, là, le Mexicain. Ouais, à la limite, ouais, on fait le skin de base pour lui. Il y a aussi Thomas, donc ça fait 4, 5, 6, ouais non, il y aura 6 têtes à faire. Elle est pas trop mal ma cuisine, qui c'est qui vient me dire ce qu'il pense de ma cuisine? On arrive. Ah, j'ai oublié. Et nous sommes à 31 minutes et 10 secondes. Ok, ouais, parce que pour info, il n'y a plus de batterie sur le téléphone, donc c'est Tina qui fait le chrono. Eh, faudrait que je serve à quelque chose. Donc, j'étais l'invité le moins utile du monde. Ok, alors dès le prochain épisode, on fait les panneaux. Et Comment on fait le levier? Comment on fait un levier? C'est pas mal du tout. C'est pas un bouton et un. Non, c'est pas un bouton, c'est une roche et un sticotier. Ou une cobble. Je ne sais plus. C'est une cobble. C'est une cobble. Ok. Merci. Donc voilà, dès le prochain épisode, on attaquera les 9 panneaux cachés. Et moi, j'ai toujours pas fini mon resto, hein. Il me reste toutes les fenêtres à faire, les lustres... Et moi, je commencerai, je pense que c'est en 5 épisodes, ça devrait le faire pour faire 6 personnes. C'est des têtes, hein, c'est juste des têtes, hein, des grandes têtes. Et puis en plus, j'adore faire ça. Et Pixel Art, c'est pas bien compliqué. Donc on fera ça en 5 épisodes. Ça devrait le faire. Moi, j'ai 60 torches. File. Et j'aime quand tu me vomis des torches dessus. Ah, puis je l'ai vomi en. Alors, je sais que vous êtes un couple, mais quand même. Il y a des limites à la coupe. À la couplophilie. Coupabilité. Mais en tout cas, ouais, moi j'aime bien les défis que tu nous as donnés, c'est très sympathique. Et le coup des panneaux, c'est super original, j'aime bien. Et puis les monuments à l'effigie des personnes, ouais, c'est plutôt cool aussi. Est-ce que ça fait bien ça? Les machins comme ça. Pff, ouais, c'est pas ouais, terreau, c'est pas mal. Mais... C'est histoire que ça pop pas à l'intérieur, en fait. Oui, c'est oui, pas mal, contre, parce que du coup, ça éclaire pas mal, parce que c'est un peu sombre. Mais carrément sombre. Hein. C'est vrai. Donc, voilà. Nous, on va se quitter là-dessus, je pense. Puis ouais, la prochaine fois, ce que je ferai, bébé, c'est que je livrerai carrément les trucs de... Ouais, on fera un coffre où on mettra un peu de toutes les couleurs qu'on aura besoin. Ouais, voilà. Je livrerai les couleurs qu'on aura besoin pour faire les monuments. Et après, on aura juste... Oh, attends. Juste, on devra les faire en épisode. Les 5 têtes, on devra les faire en épisode. Et la recherche des panneaux aussi, bien sûr. La recherche des 9 panneaux sacrés. La recherche des panneaux perdus. Donc voilà. Je te laisse faire la fin, B. Tout à fait. Ah, je pensais que tu parlais à moi. Tu veux faire la fin? Non, en fait c'était juste pour faire une blague parce qu'il a dit bébé et voilà. Ah. Je peux t'appeler bébé aussi si tu veux. Ouais. Non, bon, en tout cas, tu disais que c'était sympa de t'avoir avec nous pour cet épisode. Ah, c'était très cool. Et ce sera pas le dernier normalement. Enfin, t'es le dernier invité, mais on va essayer avec Alex, quand on fera le Weezer, on essaiera de t'inviter toi et Alex. Ouais. Pour aller péter la gueule au Weezer, si ça lag pas. Toujours le petit souci. Voilà, parce qu'on n'a pas de serveur, c'est un serveur privé chez nous, donc c'est sur notre connexion et c'est pas terreau, quoi. Ouais. Donc voilà, avec plusieurs personnes, c'est déjà un peu plus chaud, mais on verra, peut-être que juste tous les 4, ça pourrait le faire, on verra bien. Sinon, je te laisse continuer, du coup je t'ai coupé. Yes. Les amis, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à laisser des petits pouces, des commentaires, à partager parce que ça fait toujours super plaisir. Et oui, et puis T-Duck, encore merci d'avoir été présent, hein. C'était... Ce fut fort agréable. Ah.
Comment je suis méchant. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je lui ai mis une épée dans les fesses. Oh. Ah, on joue à canard perché. Ah, t'es là. Ok. Bon, bah les amis, on vous dit à demain. Ciao, ciao. À demain. Bisous. Bisous, bisous.